qu'ils avaient à manger, mais on leur laissait pratiquement 2 heures. Parce que je crois que ça mange très très bien. Réserve de ficelle pour. Nous passons maintenant au rond de l'Angle. Le liage et des petites bottes là quoi. Hein. Ouais, d'accord. Pardon, très très ancienne, qui fonctionne avec un moteur Bernard, un très 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 vieux modèle également, qui était chez mes parents à la ferme. Les gens qui aujourd'hui sont autour de cette machine, vous les connaissez? Très bien, c'est mon frère, mon neveu et le petit-fils, les 3 générations. Super, super, super. Voilà. Et le fait de voir une machine, celle de votre père aujourd'hui, en 2012, en activité, vous n'aurez jamais pensé. Ah, jamais, jamais, jamais. Je suis très émue de voir tout ça. Très, très émue. Ça me retourne 60 ans en arrière. Et même 70 ans en arrière. Voilà. Très, très, très. C'est magnifique de voir une journée comme ça. Et que ça continue, monsieur. Que ça continue, parce qu'il faut que les jeunes sachent d'où ils viennent. Et ce qu'on faisait à l'époque. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, vraiment. Voilà. C'est ça que je tenais à vous dire. Merci, Cécile. Merci à vous. Madame, je peux vous demander ce que vous faites là, pourquoi vous avez fait du blé? Eh ben, c'est parce qu'il y a un dicton dans le Midi qui dit qu'il faut 7 grains de blé, c'est-à-dire un par les, pour apporter du bonheur à chaque jour de la semaine. Et 7 épis de blé? Je n'ai pas compté. 2, 3, 4, 5, non il m'en manque 2. Il y aurait 2 jours où il n'y aura pas de bonheur.
aujourd'hui, revoir ça, c'est formidable. C'est... Cet après-midi, est-ce que tu as vu des choses qui t'ont surpris? Ouais, les vieilles moissonneuses. D'accord. En ancien tracteur, moissonneuse, tout ça. Et dis-moi plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Fermier. Ouais. Alors, tu aimes les bêtes peut-être? Tu aimes les animaux? Oui. Qu'est-ce que tu aimes plus? Les vaches. Plus les vaches. Alors pourquoi tu aimes la ferme en général? Je sais pas, parce que mon papy fait de la ferme et j'ai un jeu d'ordi sur la ferme. Moi j'ai joué à ça, maintenant j'aime bien. Merci Owen. De rien. Alors, c'est la génération montante? Ah oui, oui. Elle est plus sérieuse que papy? Le petit papy. Ah, dis-moi, faut s'en prendre un peu du tracteur qui est derrière toi. Ton tracteur, c'est un Nanomac R425, 22 chevaux. Alors, de quelle année? Des années de 63. Alors Mathieu, dis-moi ce que tu fais là. Préchauffage de la boule pour le démarrage au diesel. Vu que je fais pas l'essence au vibreur. Alors c'est une méthode d'allumage un peu ancestrale, on peut dire, ou quoi? Ouais, bah à l'époque, avec la lampe d'origine, pareil, il faut chauffer la lampe avant de chauffer le tracteur. Elle est de 66, elle a 46 ans. C'est une passion chez toi? Ouais, c'est une passion, ouais, des moissonneuses surtout. Parce que j'ai travaillé en entreprise. Donc j'ai fait de la moissonneuse, donc ça m'a plu, mais bon, je continue. Alors on a vu le fiston, Yann, c'est l'année. Oui, c'est Alan. Alan. Alan, que je suis en train de former pour qu'il va me remplacer. Parce que... Et ça lui plaît. Énormément. Thank you.
Je suis...